métropole, envoyez par SMS mystère au 71 415. Voilà pour le premier jeu. Le deuxième jeu, Valou, je te laisse prendre la suite. Je peux maguer en sortant, hein. Oulia, c'est tout, Oulia. Oui, non, mais donc, mais il y a ce qu'elle a écrit, hein. Donc, et voilà. Le concept du jeu, c'est pour les 7 ans de l'émission. Les auditeurs et les auditrices racontent leur rentrée, enfin la rentrée de Zot Rentrée ou la rentrée de Zot Marmaille. Et il y a un cadeau à gagner. Donc, enfin, il y a des cadeaux à gagner. Un coffret parfum, un coffret beauté chez Ambre Esthétique, une trottinette électrique, un chèque de 700 euros. Vous envoyez rentrée par SMS au 80 90. Voilà, merci. Voilà. Merci en tout cas pour le rendez-vous jeu. Nous l'aurons en direct à la télé jusqu'à 22h. Merci François. En tout cas pour ce soir. Alors, il y a un Mario qui dit, bon, mal à trouver la chanson, mais bon, justement, Mario qui réagit, qui dit bonsoir Dani et toute l'équipe. M'écoute Azote en direct sur Créole FM via Internet. Christian Arras, le gars, il chante la solitude me rend si amère ça. Bonne émission. Non, c'est pas mal. D'accord, merci beaucoup. M'écoute. Attends. Et donne un petit coucou de Marie-Josée. Bah c'est ça. Bonsoir, fait. Bonsoir c'est, Marie-Josée. C'est ça, Tissonara. Ah oui, je connais. Oh ah ben oui. Je... Et il ramène loin. Ouais. Ah ben oui. Oh oui, il m'y rappelle. Ben ouais. Oui. Rappelle pas. Après moi, j'avais mes favoris aussi à l'époque. Quoi n'avait à l'époque. Ah m'a retrouvé, pas tout de suite, mais m'a retrouvé. À l'époque, j'avais d'autres aussi, c'était pas mal. Après, m'était plus sur Francis Maïve, moi, à cette époque-là. Enfin, pas dans le... Bon, m'était plus sur la musique de Francis Maïve. Francis Naïve. Maïve. D'accord. M'a compris, tu la musique, la musique. La musique, mais t'es sur la musique de Francis Maïve. N'importe quoi cette émission, ça démarre très très mal. Hein. Oh là là, c'est toi qui as choisi comment les animatrices, donc voilà. Débrouille-toi avec alors, ça maintenant. Alors, heureusement, il n'y a pas, Nella et Ginny, parce que sinon ça fait un carnage quand même. Mon Dieu, crise de fou rire. Mais inquiète pas, de toute façon, c'est que partie remise, mais connais quand Nella, c'est là, mon Dieu Seigneur, Marie-Josée. Bah, ça sera dimanche prochain d'ailleurs avec Nella et voilà. On aura Christian Nara. C'est ça. Voilà. Et, bah écoute, d'ailleurs, comme nous l'avons en direct à la télé, ce soir, donc soyez les bienvenus. En tout cas, jusqu'à 22h, donc nous aurons l'occasion de retrouver Philippe Mutura en deuxième partie de l'émission, 21h. D'accord, donc avec le fameux tube avec Marina Hirsul. Passe me voir. En tout cas, Valou, la dire moi, Nena ça depuis son téléphone depuis des années. Elle n'a jamais pourri, c'est ça? Depuis mon téléphone. Depuis mon téléphone. Elle n'a jamais pourri. T'as jamais pourri. Bah oui, bah vraiment. Écoute, son téléphone, et alors son téléphone est encore neuf, hein. Voilà. ah oui, il vient de tomater. En plus, il vient de tomater. Bon, en tout cas, mais on présente plus les girls de l'émission, hein, Valou, Jenny également. Hein. Bon, chaque dimanche, ils changent. Hein, chaque dimanche, ils changent des partenaires. de bah, l'émission. Bah oui. Voilà, donc. C'est du joli. Voilà, c'est du. C'est du. Ça, il fait tourner. C'est normal ou pas? C'est lui qui tourne. C'est lui qui tourne. C'est lui qui tourne. Non mais n'importe quoi. Dani a fini arrivant toi Nantes. Voilà. Alors du coup, non mais elle est bon. Alors du coup, mais m'appelle Anaëlle parce que les offs d'Anaëlle, ça arrive dans un moment et cette semaine c'était la rentrée justement. Nous va téléphoner à elle un petit coup pour voir comment se passait la rentrée. Et puis ben voilà, si vous êtes, elle a fait une bonne rentrée d'ailleurs. Vous êtes appelé à nous 06 93 488 996 et puis nous va raconter la rentrée de Jenny pour voir comment. Répondre. Il dort là. À 20h19, il dort. Allô? Allô? Ah ben voilà, on l'a vu, il dort pas. Salut Anaëlle. Salut Anaëlle. Ah oui, salut. Ça va, Olivia? Ça va, ouais, elle est là, tranquille. Bon, ben elle est bon, mais dérange pas, oh. Non, mais tu peux dire, c'est qui encore? Ah bah oui, bah il faut bien. Non, non, parce que nous. T'as rien que Dani qui vous dérange, hein, ou d'un gros léa, comment? Bah c'est ça même. Il m'était fait oublier à aller jusqu'à. Ah bah oui, bah c'est ça. Non, bon, nous l'avons en direct à la radio également en télé. Et du coup, bah justement, tu n'étais pas la rentrée d'ailleurs. Donc, oui. Il connaît que Gabi, de temps en temps, il fait beaucoup de bêtises. Enfin, beaucoup de bêtises, non, entre guillemets. Hein. Mais il y en a quand même des trucs à raconter quand même. Comment allait se passer la rentrée avec les. Oui, ben étonnamment bien. Non, mais rigole pas, étonnamment bien.
l'a bien passé, tranquille, voilà quoi, une petite rentrée. Il était tout content, il y a retrouvé des copains, il y a retrouvé son école, donc voilà, tranquille. Ah, elle a bien passé dans l'ensemble. D'accord, et du coup, là, par contre, rien, un truc inédit. Non, ben, il n'a pas été puni lors de sa première semaine, c'est déjà bien. D'accord. Parce que avant il était puni dans les premières semaines. Non mais non, on va dire que c'est un enfant qui a de l'énergie, donc parfois qui est incompris, donc puni. Ah, je comprends mieux alors, je comprends mieux. Et du coup, ah, tu l'as fait rentrer au travail ou pas? Oui, ben moi ma rentrée, mais là c'est depuis le mois de juillet, donc mais ça va, ça a été tranquille aussi de mon côté, donc voilà. Donc, elle a bien passé pour tout le monde, c'est l'essentiel. Bon. En plus, Annel, justement, elle a annoncé le jeu de rentrée en vidéo, hein, quand même. Hein. Et du coup, elle était habillée en assistante de direction. Et du coup, mais dis la prochaine fois, écoute, qu'on vient de l'émission, on ramène une lunette, quoi. Ah bon? Bah oui. Ah ben écoute, bah oui, en temps de travail, vraiment. Hein, donc, voilà, mais... en toutes circonstances, il essaye d'être au taquet. Ah ben, il faut bien être au taquet, en tout cas. En tout cas, voilà. le dimanche 5 septembre, c'est l'anniversaire de l'émission Tropicana Live Tour également. Donc, c'est Annel qui ramène le gâteau pour l'émission également. Hein. Donc, Ben, écoute, oui, il a l'habitude de faire la cuisine. Donc, voilà, on va faire le gâteau. Voilà, on fait le gâteau, on fait le petit repas, on fait tout, quoi. Donc, pour une fois que Annel... il fait un affaire, quoi. Non, il fait un affaire, Pour une fois, il fait un affaire, quand même, hein. Ouais. Parce que ça va manger pour l'équipe, hein, donc arrête, hein. Pour une fois, où il fait un affaire, les bons. Non, mais plaisant. Ouais, bon. Ouais. Ah, non, mais plaisant, bien plaisant, Annel. Annel, également, parce que, on a 2 semaines de sol, annonce un scoop. Du coup, nous devons savoir où ça, il est le scoop, quoi. Ah, ben, écoute, vous êtes encore un peu patient, hein, avec la situation, n'est pas évident, donc, de finaliser un peu tout. Donc, encore un peu de patience, il y arrivera en temps voulu. Bon, ben, elle est bon, là, pas de souci. Vous pouvez pas chanter, vous pouvez pas chanter un extrait pour nous? Ah, pas du tout. Bon, ben, on a tout essayé, hein. Donc, pour avoir l'exclusivité en direct, à, justement, pour le 5 septembre, hein, vous êtes appelé, Ah, vous annoncez des choses pour moi, alors. Ben oui, ma fin arrive de manager. Ah, écoute, mais tu connais pas. On va prendre un mois de nouvelles. Ah ben voilà. Bon, en tout cas, Nem, il souhaite une très bonne soirée. Ben, Nena de Mouni appelle apparemment. Bonne soirée à Zot, et merci. En tout cas. De gros bisous. Bonne émission à Zot 2. Et ben, nous retrouvons très bientôt. Merci, en tout cas. Nous retrouvons très bientôt. Mais bon. Allez, bisous, bisous. Allez, bisous, 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 bye bye. Bye bye. Bisous, 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 bye bye. En tout cas, allez. Il fait quand même un petit coucou à Cécile. Comment il est, Cécile? Vous voulez bien? Donc, en tout cas, Cécile, c'est l'anniversaire de son petit garçon, en tout cas, Happy Birthday pour ton petit garçon également. Hein, donc voilà. c'est du côté de Saint-André. Il y a aussi donc Mario qui dit c'est la chanson dont Mité pour parler. Effectivement, Seul toi. Ah. Voilà, donc de Christian Nara. Et il y a Marie-José, qui dit Valou, passe me voir. À se demander pourquoi. Aucune idée. Alors, mamie connaît pourquoi. Midi en direct. On prend un ou café. Pas midi en direct ou pas? Non, ne me dis pas. Midi en direct ou c'est pas? C'est quoi encore? C'est sous l'hypnose encore là? Oui, ça même. Alors en fait, on avait. Mais arrête un peu ça. On avait mis Marie-José sous hypnose et du coup, me dit maintenant Marie-José, t'es sous le charme de. Ça va sur le standard. Allô? Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Oui. Bonsoir. C'est Eline du tampon. Oui, Eline du tampon. Je demande un big pour mon chéri Jean-Paul qui a fêté ses 63 ans aujourd'hui. Ah, joyeux anniversaire à lui. Oui, merci. Et je voudrais la chanson Johnny Laporte. Alors, là, pour ce soir, il ne pourra pas passer le titre, malheureusement. Hein. Ah, bah, oui. Pas de chanson ce soir, alors. Pas de chanson pour ce soir, mais en revanche, on peut demander dans l'émission de Sylvestre du jeudi prochain, l'ambiance à la case. Il fait un petit peu de promotion pour lui. Il est bon? D'accord. Merci, au revoir. Allez, merci en tout cas. Au revoir. Bonne soirée. Allez, ciao, bye bye.
Bon, bah oui. Bye. Ben, nous fait quand même une petite promotion pour les collègues artistes, hein, enfin les collègues animateurs, hein, donc tu peux retrouver Sylvestre en tout cas jeudi prochain, l'ambiance à la case entre 20h et 22h, tu peux justement demander notre petit morceau, notre petit clip, et puis ben on salue quand même Luisanne également, hein, donc qui anime avec Sylvestre. Luisanne, qu'on soit évidemment un petit coup là sur le sur le plateau là, me fait bien moi. Non, mais il plaisante. Bon, en tout cas, nous fait un petit rappel de jeu, les filles, avant de retrouver justement la rentrée de Jenny, hein. Ah oui, ma fameuse rentrée. Ta fameuse rentrée. La fameuse. Donc, du coup, pour le jeu, on est sur la boîte à mystère. Donc, le concept un petit peu du jeu, donc un téléspectateur sera tiré au sort. Il doit deviner l'objet, en fait, qui est donc dans la boîte mystère, hein, tout simplement. Et il faut, en fait, s'inscrire pour le tirage au sort. Donc, pour la réunion, il faut envoyer le SMS, donc mystère, au 80-90. Et pour la métropole, le SMS, donc toujours mystère, au 71-415. Et les lots à gagner, c'est un bon coiffure chez Flora Coiffure, un bon d'achat de 50€ chez Mel Boutique, 4 cartes Multipass, 2 séjours dans l'un des hôtels partenaires de l'émission. Voilà, merci en tout cas. Et pour le jeu rentré également ? Oui, le jeu rentré, effectivement. Les jeux rentrés, les auditeurs et auditrices racontent la rentrée de leur enfant ou de leur entrée au boulot. Et vous avez des cadeaux à gagner. C'est un coffret parfum, un coffret beauté chez Homme Esthétique, une trottinette électrique et un chèque de 700€. Vous envoyez rentrée par SMS au 80-90. Donc, rentrée par SMS au 80-90, donc il y en a un chèque de 700€ à gagner, hein, si tu rencontres votre rentrée, que ce soit rentrée des enfants, rentrée professionnelle ou une journée, voilà, une journée que vous allez bien se passer, il y en a des cadeaux qui tombent instantanément. Voilà. Alors, du coup, en parlant de rentrée, d'ailleurs, Jenny, comment se passe un petit peu de rentrée? Comment dire, que les deux années passées, t'es deux années charnières quand même pour moi. Et en fin de compte, moi, la mettre quasiment un mois pour récupérer les deux dernières semaines, t'es reste avant la rentrée, mais t'es KO. T'es comment se prendre? Ce qui fait que comme à la rentrée, mais t'es fatiguée, mais t'es encore en vacances. Donc, comment explique à Zot que mon rentrée, elle était doucement, mais sûrement? Donc, au-delà du fait de comment que moi, elle a très bien rentré, qu'elle n'a pas eu de soucis. Enfin, elle a eu des petits couacs, mais voilà, c'est pas grave au point de dire que t'es à l'article de la mort. Mais voilà, elle a plutôt bien se passé. Elle a retrouvé les collègues, elle a bien rigolé, hein, parce que c'est toujours bonne ambiance, hein, à moins où Samy, ça va toujours dans une bonne ambiance. Donc, voilà. Donc, t'es assez agréable, mon petit rentré. Elle l'a apprécié. Ah bah, il faut bien apprécier quand même le petit rentré. Moi, elle a fait la rentrée, justement, fin juillet. Et dimanche dernier, bon, on salue quand même Jérôme, parce que Jérôme la texte à moi, la texte l'émission dimanche dernier. Il a dit Dani, oublie pas mardi, règle la lumière. Écoute, ben du coup, il dit ben mardi, écoute, y a pas de souci, mardi c'est entre guillemets mon anniversaire, oublie pas ramène Samoussa. Et du coup, ben et du coup, ben il a ramené, hein, vraiment. Voilà, mais salut quand même Jérôme qui va se reconnaître. Voilà. Ben, un petit coucou, m'y connais pas qui c'est, mais coucou Jérôme. Oui, Jérôme. Alors, Jérôme, il regarde tous les dimanches soirs les bichos, hein. Tous les dimanches soirs. Bon, ben, coucou Jérôme. Et les voir. Envoyez un petit testo. Envoyez un petit testo. Voilà. Et Moukat Dani, Moukat Dani, Moukat Dani, 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 faut Moukater. Alors, le petit garçon de Cécile s'appelle Liam, en tout cas. Donc, happy birthday, Liam. Hein. Joyeux anniversaire, Liam. Joyeux anniversaire, en tout cas, Liam. Hein. Ben, j'en profite. J'en profite aussi. Je te laisse terminer, mais j'en profiterai juste après. Non, c'est bon, j'ai terminé. C'est bon, tu as terminé. Je souhaite l'anniversaire au fils d'une amie à moi, donc qui s'appelle Laetitia, et donc joyeux anniversaire, Mathias. Je sais pas si tu nous regardes, en tout cas un petit coucou, gros bisous. On a passé une super journée tous ensemble, donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour lui, parce que ta petite Jane aime bien Mathias, donc voilà, un joyeux anniversaire à lui. Alors, et du coup, il y a un message arrivé au 0692 170 862. Bonsoir vous trois, comment va, bonne soirée à vous, surtout à Dani Biz. Alors, je sais pas qui c'est, je sais pas qui... Oh là là, pas Dani. De nom. Alors, m'y connais pas qui c'est, il est. Tu as une ou un admirateur? Oh là. Alors, je peux décoder le message. Non, je peux signer le message, s'il te plaît. Ce serait sympa. 20h29, en tout cas. Alors, moi, ce que m'y propose, d'ailleurs,
c'est de parce que bon tout le monde y... enfin tout le monde pratiquement les personnes y connaissent, mais il fait un petit peu l'hypnose donc je t'y connais. Tout le monde y connaît. Oui, nous connaît. Ouais. Et du coup, nous balançons le petit reportage en tout cas. Et nous revient juste un peu pour un petit débriefing. Les bons ? Les bons ? Ouais, ok. Les bons ? Allez, à tout de suite. À tout de suite. Imagine les deux aimants qui s'attirent encore de plus en plus, de mieux en mieux. Les deux aimants qui s'attirent encore maintenant, les deux aimants qui s'attirent encore de plus en plus, de mieux en mieux. Justement, quand les mains se toucheront, on va fermer complètement les yeux. Voilà, quand même ça. Les mains commencent à se rapprocher encore de plus en plus, de mieux en mieux. De plus en plus, de mieux en mieux. Voilà, quand même ça. Les mains, quand on va se toucher, justement, on va fermer complètement les yeux. Voilà, comme ça. Justement, quand les mains se collent, on va dire le mot dent, rien à voir avec le sommeil. D'accord ? Un compte de 1, 2 et dent. Calme et détendu. Dans un état de relaxation. Voilà. Alors, mais va compter jusqu'à 10, et justement, chaque chiffre qu'on va dire, on sera dans un état de relaxation. D'accord ? Avec le 1, le 2, bien détendu. Avec le 3, complètement détendu. Voilà. Justement, donc imagine que vous êtes dans un ascenseur, non, plus vous descendez, vous êtes dans un état de relaxation. L'espace zen. Voilà, avec le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Complètement détendu. On sera dans la peau de Aya Nakamura maintenant. Réveille. T'es Mimi, montre-le-moi, Doudou. Aime-moi, Doudou. Ouh, aime-moi, Doudou. Montre-le-moi, Doudou. C'est fini. Montre-le-moi, Doudou. C'est qui ça? Aya. C'est où ça, Aya? Oui. C'est toi, Aya Nakamura? Yes. Ah, ben bah, bon, je vais faire un selfie, moi. Il ne peut faire un selfie? S'il vous plaît, madame. Alors, c'est Mimi, autographe aussi. D'accord. Allez, fais un selfie. Bon, tiens, on fait un selfie. Allez, aime-moi, Doudou. Montre-le-moi, Doudou. C'est fini. Un petit mot pour la caméra. Follow me. Follow me. D'accord. Maintenant, il y a Nakamura, quoi, donc les mêmes noms. What's your name? Tiens, avec elle, tiens. What's your name? My name is Maureen, and you? Hi, I'm Aya Kamura. Tiens, la personne en face devient Rihanna maintenant. Rihanna, trop belle. Tiens, Rihanna Kamura revient maintenant. Bébé, montre-moi que tu m'aimes encore. C'est qui chante ça? C'est ma nouvelle chanson. C'est ta nouvelle. J'aime pas ta nouvelle chanson. J'aime pas. Dis, elle y aime pas. J'aime pas. T'aimes pas. Tu deviens triste maintenant. T'aimes pas, hein? Elle y aime pas la chanson. Pas du tout. Moche. Tiens, nous on y aime Copine, tiens. Tu peux chanter Copine, tiens. La plus bonne de mes copines, je veux la plus bonne de mes copines. Ça va, hein? C'est bien? Oui. D'accord. Donc, Aya Nakamura, c'est ça? Oui. D'accord. Ok. Bah, je suis fan. Ah, yeah. Merci. Mais elle n'est pas fan du tout. Enfin. Tu te mets en colère, hein? Tiens, on aura l'impression qu'elle apaise tes fesses. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. On a changé de plaie. Pareil, c'est maman.
Maurice, il est un petit concert ce soir. Ah, ça revient du coup, il est réservé. C'est à 145 euros. Vous connaissez tous les sketchs? Ah, ben super. Ben c'est moi. Vous avez un autographe? Non. Mais sûr? Oui. Pas de photo de préférence? Oui, bien sûr. D'accord. Bon. Ben, on va réserver une chambre alors. D'accord, pour ce soir. Ben, m'entends réfléchir, maman. D'accord. Il réfléchit et maman se dit. Oui, il n'y a pas de souci. Quel sketch vous connaissez de moi? Vous en connaissez? Viens-moi. Ou avec. Viens-moi tout. Avec les œuvres qui ont fait exactement les gars, déjà, j'entends. Ah ouais? Ah, ben, super, on doit soutenir le truc. Et une chambre seule, il y a combien? À 145 euros. C'est déjeuner les combien? Vous êtes ensemble? Marie-Alice, c'est moi. Tu connais bien moi? Quand même. Ah, avec ça. C'est des petites caméras cachées qui auraient mettre en train de les prendre. Ça va? Justement, les deux aimants qui s'attirent maintenant, qui s'attirent de plus en plus, de mieux en mieux, qui s'attirent encore maintenant, qui s'attirent de plus en plus, de mieux en mieux, qui s'attirent maintenant, qui s'attirent encore deux fois plus, quatre fois plus maintenant, qui s'attirent encore. Justement, quand les mains vont se coller, on va fermer les yeux instantanément. Voilà, comme ça. Les mains qui se touchent maintenant, les mains qui se touchent. Voilà, les mains qui commencent vraiment à se toucher maintenant, qui se collent. Qui se colle maintenant, les mains qui se collent, les mains qui se collent maintenant. Voilà, comme ça. Justement, tiens, quand il va toucher les mains, on va dormir instantanément. On va dire le mot dormir, on va dormir maintenant. Il dort maintenant, calme et détendu. Avec le 1, justement, on est complètement relaxé. Voilà, on est complètement relaxé avec le 2, avec le 3. Justement, imagine que descend les marches des escaliers. Maintenant, chaque chiffre que midi, on va descendre de plus en plus dans un état de relaxation. Le chiffre 3 n'existe plus. On va compter normalement 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord ? On fait un décompte. Il va faire des comptes justement jusqu'à 2, on réveille. 1, 2, réveille. Maintenant. Ça va ? Oui, c'est bon. Vous avez compté ou pas ? Oui. Combien de doigts on est là ? 1, 2, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, 11 doigts. Comptez un coup là ? On a combien de doigts ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 doigts. Tout le temps, il dit jamais 2 combien ? Jamais 2 sans on connaît le dicton là, non ? 203. Ça même ? Jamais 203. On compte un petit coup là ? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 doigts. Et là qu'on se vient dit juste avant, le chiffre disparaît. Jamais 2, combien ? 103. 103 ? On connaît le chiffre 3 ? Oui. Et qu'on compte sur les doigts, comment on dit ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bizarre, hein ? C'est quoi ça ? On compte un coup là, on ne m'a pas compris. Le chiffre 3 disparaît. Le chiffre il disparaît. Le chiffre 3 disparaît. Je sais pas, regardez un coup là. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors 2 plus 1. 2. 2 plus 1. 2 plus 1. 2 plus 1, 3. 3. Alors c'est quoi ta pression? C'est incroyable, c'est comme si tu es là et pas là en même temps. Mais... Bon, toi qui crois, t'y croyais pas auparavant. Oui, je croyais pas, mais maintenant aussi je crois. M'embarque.
20h-22h, Tropical Night Live Tour, en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Allez, de retour en tout cas pour ce soir en direct à la radio et également en télé pour nos amis, hein, donc Jenny et Valou, ça va toujours ? Toujours, on est là. Toujours. Bon, on a vu un petit peu le petit reportage. Oui, du coup, oui. Ouais. Oui, du coup. T'allais dire quoi ? Non, rien d'intéressant. Bon, d'accord. Il y a quand même un petit message. Enfin, il y a des messages arrivés. Hein, 0692 170 862. Bonsoir la team, c'est Dim. Je regarde l'émission en direct sur Télé Créole. Bonne soirée. Azote et gros big up à mon ami Dani. Un projet en cours avec Soprason nous retrouve prochainement. En tout cas, ben Dim, hésite pas. N'hésite pas en tout cas de revenir vers moi justement pour l'émission. On salue quand même. Alors, les personnes du côté de la médiathèque, Antoine Liroussin. Salut Maryse. Maryse qui dit bonsoir Ticana. Bon, m'y va lire tout le message. Bonsoir Ticana. M'y regarde où en direct. Donc Maryse de la médiathèque. Super haute émission. Franchement super. M'y fait un petit big up à mes collègues de la médiathèque et à toute ta famille. Un Ticana, c'est un gros oie. Un Ticana, c'est où ça? Oui, c'est où le Ticana? C'est un gros oie, ça? C'est pas un Ticana? Ah, où le Ticana? Ah, Maryse. On apprend des choses. Maryse, oula, j'ai dit ça, je te l'ai vu, maintenant ça me passe à moi. Ah, là, 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 là. Ah, ça me fait la vie. Mon Ticana. Écoute, mon Ticana. Ticana, regarde peut-être le Ticana. Bon, c'est bon, tu te calmes. Il y a dans ce chapitre, c'est bon. Maryse. Là où ça gagne. Maryse, là où l'a fait l'erreur. Ça donne un paquet. Maryse, là où l'a fait l'erreur. Ah, elle est pas bon. Là. Ah, là, là, en tout cas, bonsoir Maryse. Merci pour ce dossier. Oui, bah écoute, oui, c'est ça. Oui, mon petit canard. Mon petit canard. Mon gros oie, mon petit canard. Bon, allez, c'est bon, allez, on a encore des messages. Donc. Continue, mon petit canard. Bon. Continue, mon gros oie. Ce n'est pas possible. Ah, mon gros oie, on va y aller où? Alors, ce n'est pas possible. Bon, allez, laisse-moi causer, s'il te plaît. Bonsoir, comment ça va? C'est Milove, l'ambiance continue comme ça. Vas-y, canard. Alors, c'est Sylvine qui l'avait envoyé le petit message, en tout cas, surtout à Dani Biz. C'est ça, j'ai en train de regarder à la télé l'hypnose. Est-ce que si c'est moi qui fais la démonstration? Effectivement, c'est moi qui fais la démonstration, Sylvine. Voilà. C'est bon, là dans la main. Charlie Donald. Bon. Maryse, là, on l'a déconné, là. Dani Afnarif Donald. Ah là là. Ça passe bien, Afnarif Donald, Dani. Du côté de la page Instagram, on salue Maïva, on salue également Larissa, oui, parce que nous, on est en live également sur la page Instagram. Également. Bonsoir à toutes. Bonsoir en tout cas à tout le monde qui regarde l'émission, en tout cas à la télé. Bonsoir à tout le monde, les gens. Tous les ans. En tout cas. Tout le monde, les gens sur le plateau. Alors, Cécile, tout à l'heure, bon, Cécile est en train de regarder justement l'émission hypnose, enfin la partie hypnose. Elle a dit pourquoi il rit. Ben, en fait, effectivement, il va répondre à notre question. En fait, sous hypnose, on a, où les conscients, ce qui se passe autour, et où les conscients, ce qu'on fait, et on a quand même des réactions, donc, où on rit, ou pleure, donc voilà, où on n'est pas, voilà, quoi, on n'est pas un robot, ou on est une personne normale, quoi. Voilà, mais il répond à notre question. Ouais, mais du coup, Dani, oui. Moi, maintenant, une question pour vous dire, banal, comment les conscients, mais comment ça se fait? Parce que si je les sous hypnose, normalement, c'est ils contrôlent plus grand chose. Comment ils font les deux? Parce que la dernière fois, on avait parlé de ça sur le plateau quand nous étions sur Télécréole là-bas. Mm-hmm. Et du coup, est-ce qu'on peut réexpliquer à nous, s'il te plaît? Alors, justement, si la personne, il veut vivre, comme je l'ai vu juste avant, le petit reportage, donc, avec Déborah. Que là, justement, était dans la peau de Marie-Alice Sinamon. D'accord? Donc, moi, je me demande toujours, est-ce que la personne est là, des idoles? Et est-ce que vous voudrez bien vivre, justement, l'hypnose, dans la peau d'un personnage, par exemple? Et si la personne dit, bon, ben, ok, pas de problème, oui. Bah du coup, on va dire que l'inconscient va reprendre toutes les données possibles, d'accord, donc pour reproduire en fait le personnage. Ça s'appelle la partie hallucinatoire, hallucination. D'accord.
En fait, d'accord. En fait, du moment que la personne en fait, il veut vivre l'hypnose, elle est partie. Par exemple, si la personne d'accord, ne veut donc pas en vivre, fait, c'est une autorisation. C'est une autorisation. Voilà, si la personne dit oui, donc si la personne dit oui, si la personne veut vivre quelque chose, effectivement, ça va aller directement. En sachant que un hypnotiseur, donc c'est pas un don, hein. C'est nous n'avons pas un don, hein. Donc nous n'avons pas un don, nous fait que non, c'est, ça débloque une partie du cerveau que n'utilise quasiment pas en fait, puisqu'il parle d'inconscient, c'est ça? Alors, au inconscient, en fait, tu utilises à 90% tous les jours. Ouais, d'accord, ouais. Ok, c'est bon à savoir. Je ne savais pas, j'apprends voilà. Quelque chose. Voilà, mon petit canard. C'est bon là, tu te calmes, hein, tu te calmes. D'accord, Donald, excuse-moi. Vas-y, Marie, continue. Marie, très sérieusement. Marie, demain, on dirait Vanessa Niwa, ou la mise à texte. Hein. Ah non, demain, elle est fermée. mardi, Vanessa Niwa, ou là, on dirait. Nena, message, donc bonsoir, c'est Kelly. Bonne soirée, tout le monde. Et un gros bisou à mon chéri, à Charlito. Voilà, le petit message est passé. Je suis étonné que j'ai vu ce que tu as fait. Bravo, en tout cas. C'est signé Sylvine. Voilà. Donc, tu disais quoi C'est même... Qui sont cause. Ah, oh, même qui sont cause. Denis. Excuse-moi, Donald, mais il m'avait pas compris. Non, mais en fin de compte, nous parle du fait que Nena, l'inconscient, l'utilise à 90%. Mais il faut expliquer à moi ça, parce que du coup, l'inconscient, c'est quoi? C'est quelque chose que, de base, nous n'avons point conscience, puisque c'est l'inconscient. Bon, Mickey passé déjà l'a compris à moi, bref. Alors, en tous les cas... En fait, tout l'inconscient, c'est au disque dur. En fait, l'inconscient, en fait, il m'omérit. C'est là où on ramasse tout bon dossier. Voilà, c'est ça. Et par exemple, tout ce qu'on apprend depuis tant petit, donc on mémorise, mm-hmm. on mémorise. Et voilà. Par exemple, si Midiao, un simple mal de tête, c'est où l'inconscient, justement, qui donne à haut cette information-là. Ouais. Un simple mal d'accord. De tête. Voilà, donc il fait passer un message, comme quoi que, voilà. Ben, c'est quoi le message? Bah, soit ou... J'ai mal. Non, mais en fait, soit, quand on est notre, par exemple, sous la passe une mauvaise journée et que, effectivement, on est un mal de tête en fin de journée, t'es inconscient, ouais, ce petit message, soit on pense trop et que, ben, on a un mal de tête, soit on a un truc qui inquiète à haut, on a un mal de tête. Enfin, voilà. Il peut être un mal de tête ou un douleur sur le corps. Voilà. D'accord. Du coup, une autre question, parce que justement, on a une amie, oui. Elle est très migraineuse, et du coup, il me dit, ben oui, mais si c'est inconscient qui lance à moi un message, pour un monde que les nades migraines, que les chroniques, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, pose à où la colle. Bon, alors ma pote les réponses à toutes les questions. Ben va finir un spécialiste alors. Voilà. Oui, finir un spécialiste. Bon, ça c'est plus thérapeutique, hein. Donc moi, il fait l'hypnose de spectacle. Oui, non, mais elle est intéressante. Il veut dire, nous échange, nous parle de sujets. D'ailleurs, l'hypnose, c'est quelque chose que peut-être n'est pas assez connu ou en tout cas dans les moindres recoins de la tactique, parce que Nena connaît souvent, m'y pense. Où ça demande une bande de moon, est-ce que ça tu vas être hypnotisé? Souvent, la première action, c'est rentre pas dans mon tête. Parce que nous, on a l'impression que nous rentre dans notre intimité, on va dire, et que nous n'avons plus la maîtrise de nous-mêmes. Mais ça, de l'intéressant, c'est ce qu'on dit, c'est qu'à un moment donné, on demande l'autorisation. Sans l'autorisation, on ne peut pas faire le truc, le moon. Non. Il passera pas. Non, et c'est ça qui est intéressant, c'est le côté subtil. Mais malgré ça, on ne rentrera pas dans mon tête. Voilà, c'est. oui, ce que Jenny. On ne demande pas. Voilà, c'est justement tous les filles pas, tous les animatrices de cette émission ne veulent pas, mais c'est pas grave, mais il va ramener. Elle est normale, elle est trop retard, on fait trop la blague, trop malicieux. Oh, faut aller fait danse à nous pareil, le singe là. La nuit jolie, canard, la danse des canards. C'est la danse des canards. Non, mais on va essayer de faire justement, moi-même ce sera pas l'hypnotiseur à ce moment-là, mais on va réinviter Thomas, justement, Thomas Hassens, qu'on avait fait deux émissions sur l'hypnose d'ailleurs, que Annalie aime bien, justement, et on va caler ça un de ces jours. Les top, voilà. Bon. Ah oui, vous pouvez pas caler, mais moi non. Oui, change pas rien, rentre pas dans mon tête. Ah oui, on peut caler si on veut, mais pas à moi, non. Non. Avec moi, ça va. Mais c'est pas possible. Alors, m'a dit, nous recale, oui, mais pas les personnes volontaires. Je précise. Ah, on rassure à moi. D'accord. Très bien, mon petit canard. En fait, dans son tête à Valou, il y a bloqué sur il recale. Voilà. Il y a calé à ce niveau-là. Ah oui. Non, mais. Il n'a pas entendu le reste.
Non, mais Miracle, parce qu'Adèle, il aime bien justement donc de faire l'hypnose oui. avec Thomas et tout. Donc bon, pareil. Oui, c'est ça, Thomas, c'est ça. Thomas, non, il rentre pas dans son tête, hein, donc ouais, jamais. Mais bon, ce que nous va faire justement une prochaine émission sous hypnose d'ailleurs. On salue quand même Marie-Alice Sinaman également, parce que lors de oui. de reportage du, oui. de que nous avons fait là, bah, elle envoie à elle la vidéo. Donc oui. voilà, donc elle a partagé sur sa story Insta. En tout cas, salut Marie-Alice. Oui, effectivement. Voilà. Bonsoir Marie-Alice Sinaman. En espérant qu'on va venir sur le plateau de Télécréole bientôt. voilà. Très bien. Bah oui, il faut bien. Hein. Alors du coup, n'importe comment qui fait oui. des reportages, il y a aussi Valou et Jenny aussi qui la partie yes. rencontre des personnes côté la Grande Roue. Hein. À la Trinité. À la Trinité. Mmh. Hein. Et justement. N'avait le vent. Elle t'a le vent. Et ses premières fois, Valou. Et moi, il invente des mots. Voilà. Alors, ses premières fois. Il aurait pu mettre à nous quand on était dans la roue aussi. Hein. Notre cheveu, t'es au vent. Oui, mais bon. La panique comme ça dessus nous. Non, la panique. Oui, c'est. Valou avait la panique. Moi, mais t'es tranquille. Hein. Ouais. Voilà. Elle était prête pour faire la malice toujours. Autant. Non, mais t'es roi du sale, t'es l'échelle au fait. Non, c'était mais pas alors, la panique, alors c'est juste pour voir où c'était. Moi, ce que j'aime bien. Ça, il est l'échelle. Moi, ce que j'aime bien avec Jenny, c'est que la dite Dani, allons, parce que sinon, Valou, ça va, il n'est pas en profiter de la route. tu vois. oui, bah, oui bah, Valou l'a monté, hein, mais il rend où ça a été l'échelle pour y redescendre. mais bon, imaginons que. Ah. Imaginons que. Il reste bloqué. Est-ce qu'on aurait mais pu. Mais bah, pourquoi finir la phrase, Valou? Au cri. Micri. Laisse-y terminer. Laisse-y canard terminer. Voilà. Ah, d'instant, mais ça va. Hein. mais là, ça sort déjà l'émission. Hein. C'est fini. Ah, mais éteins-moi, mais ça va aussi. Ça va ça, voilà. Alors, vous l'avez vu comment les gars sont avec moi. Ils crament un canard et après, bon, ça va. Ouais. Alors. Ah ben, on s'entend. mais elle n'est pas possible, cette émission. Inadmissible. Hein. Une heure de colle. Bien sûr, tout à fait. Alors, du coup, Valou, alors, si la grande roue, imaginons que la grande roue, elle est. Imagine, d'accord. Alors, déjà, vous l'avez arrêté à un moment donné, et du coup, il était en panique. Hein. Il a dit, pourquoi il arrête T'as vu déjà ça. Alors, est-ce qu'on aurait pris vraiment l'échelle dans le vent comme ça? Ah, mais connais pas, on aurait fait un manière pour descendre. Mais comment les questions les ils posent vraiment parce que comme on a peur déjà on a levé à qui j'ai fait peur est-ce que parce que là encore dans le nacelle ou les dents dans quelque chose mais là le l'échelle imagine qui est pas mal où ça va là le vent il souffle en taco comme ça là ça va vraiment mais prends t-shirt d'Annie mais fais la corde oui mais les pieds là de moins en moins sous la main vous croyez le t-shirt d'Annie est assez grand juste pour moi la taille de l'échelle. On pense le t-shirt d'Anila, c'est grand. Non, non, le t-shirt de Ticana, non, il est pas assez grand, non. Et d'ailleurs, justement, Marise qui dit, elle a dit Ticana, des fois, Nao explique pour qui m'y appelle comme ça. Fais un petit bonsoir pour mon chéri Chava, s'il te plaît. Voilà, m'y explique bien mal à. Alors, Marise, m'y explique comment elle a fait. Dani ravage à nous. Tellement, non. Que quand on a l'occasion, il peut donner l'explication, on nous va créer un petit canard quand même. Marise, m'envoie les deux côtés là-bas. Ah, allez, ça n'est notre dallon, on est obligé d'y devenir notre dallon. Ralliement féminin. Voilà, c'est ça. Bon, alors, ce que m'y propose d'ailleurs, c'est de regarder le reportage que nous avons fait et nous revient juste après les bons. Les bons, ok. Les bons, allez, à tout de suite. À tout de suite. Nous l'est dans le parc où se situe la grande roue. Et là, je voulais poser des petites questions à madame pour savoir comment on pense de la roue. Alors, en fait, j'en ai entendu parler comme tout le monde et du coup, aujourd'hui, j'ai profité pour les vacances avec les enfants. D'accord, voilà. Et c'est la première fois où on voit la roue. Oui. Comme ça. Oui. D'accord. Et vous prenez combien de mètres sur mesure? Non. Enfin, de la hauteur. Presque moins grand. 40 mètres. Quand même. Impressionnant. Et vous n'êtes pas intéressé pour rentrer dedans? Ah non. Là, c'est pour les enfants.
J'aime pas trop les histoires de retirement. Ouais, c'est impressionnant quand même. Hein. Ah oui, mais voilà. Et on a des enfants qui ont la question pour savoir. Bah, franchement, au début, je voulais pas rentrer, mais au final, ça va. Juste en haut, il y a beaucoup de vent, ça fait un peu peur, mais sinon, ça va en vrai. C'est bien, c'est chouette. Monsieur le tenancier s'appelle Jérôme et c'est lui qui tient. Est-ce que vous êtes tout seul dans la cabine ou vous avez des collègues pour faire tout? Non, ben, en général, il y a moi et ma femme. D'accord. Et à deux, moi je pilote ici le manège électroniquement. Mm-hmm. Donc la roue se gère électroniquement et dehors il y a mes fils qui servent juste pour le déchargement et le chargement. D'accord, ok. Des nacelles. D'accord. Et du coup, est-ce que ça dure combien de temps environ le tour de manège, j'ai envie de dire? Alors, le tour en général, en fin de compte, ça varie. Ça varie en fonction de l'affluence qu'il y a sur la roue. Donc, s'il y a énormément de monde, en général, on fait 4 tours. D'accord. 4 tours, ça peut aller jusqu'à même 10 minutes parce que c'est en fonction du taux de chargement qu'il y a sur la roue. Mm-hmm. Donc, plus qu'il y a de monde, forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps pour charger et décharger la roue. D'accord. Donc, voilà. Donc ça fait quasiment, vous avez dit, 10-15 oui, minutes à peu près. Non, pas 15 minutes, mais ça peut arriver jusqu'à 10 minutes en période d'affluence. D'accord, ok. Et justement, par rapport à cette période d'affluence, est-ce que depuis que vous avez, on va dire, ouvert, monté et mis en fonction, est-ce qu'il y a eu énormément, est-ce que c'est toujours blindé de monde, est-ce qu'il y a toujours énormément de monde justement, et à partir de quelle heure? Alors, il faut savoir qu'effectivement, la Grande Roue remporte un franc succès depuis son ouverture. Mm-hmm. Ça a son succès, ça plaît beaucoup. Mm-hmm. Effectivement, le week-end, même en jour de semaine, parce que là, même depuis ce matin, on est mardi aujourd'hui. Mm-hmm. C'est ça. Il y a quand même du monde. Il y a quand même du monde. Et là, il faut savoir qu'on vient d'ouvrir. Mm-hmm. Et pour un début, ça, la journée promet. Mais c'est surtout une très bonne période, puisqu'on est en période de vacances scolaires. Après, donc, vous voyez, il y a des groupes de centres aérés mm-hmm. qui viennent. On a des groupes qui viennent, il y a des gens qui sortent même dans le sud qui viennent faire la grande roue. Mm-hmm. Donc oui. Et vous avez des retours justement au niveau des personnes justement qui viennent pour ça? Est-ce que vous avez des retours? Quels sont les retours si vous en avez? Ben, les retours, en général, les gens sont très satisfaits par rapport à la vue. Surtout la nuit, on a une super vue sur Saint-Denis avec toutes les lumières. Ça plaît énormément. D'accord. Ça plaît énormément. Même pour vous dire, la semaine dernière, il y avait de la pluie. Mm-hmm. Et sous la pluie, les gens voulaient faire la grande roue. Donc, très étonnamment. Donc, voilà. Et vous le faites même, ou pas même la pluie? Alors, très forte pluie. Enfin, je dis même, malgré qu'il y avait la forte pluie, les gens sont... Ils voulaient quand même la faire. Oui. Donc oui, on le fait. Il n'y a pas d'incidence directe sur le métier. Hein. On peut la faire tourner sous la pluie. Ça va après quand on est en haut, c'est pas marrant sous la pluie. Parce que voilà. Oui, j'imagine parce que c'est mais, malgré que c'était pas marrant, les gens. Ils viennent. Monsieur, je veux faire quand même la grande roue. On est venu pour ça, donc on va la faire quand même. Et vous êtes là jusqu'à quand? Alors nous, on est ici normalement jusqu'à fin décembre. Fin décembre, on ne sera plus là. Et normalement, on est en discussion pour une autre grande ville du sud. Donc, okay. On attend. On attend pour l'instant, je ne peux pas vous dire où exactement. Mais donc voilà. Du coup, est-ce que vous pourriez nous dire, si vous deviez donner un conseil donc, aux personnes qui n'ont pas encore découvert, qui ne sont pas encore venues, le créneau horaire où venir, bon, à part le soir, parce qu'évidemment, le soir, tout le monde a envie de voir la ville de Saint-Denis, le chef-lieu, sous les lumières. Est-ce que vous auriez un créneau horaire à conseiller aux personnes qui ont juste envie de découvrir et d'apprécier justement la... Alors, en général, nous, on ouvre le week-end, on ouvre à partir de 10h. Mm-hmm. Le mercredi, on ouvre à partir de 10h. Et en jour normal, on ouvre à 14h. D'accord. Exceptionnellement, bon, ben, on essaie parce que le matin, avant 14h, il y a quand même du monde qui arrive. Mm-hmm. Donc, en général, comme on est sur place, hein, on vend sur place, on essaie de ne pas faire trop attendre les gens. Donc, on ouvre quand même un peu plus tôt pour que les gens puissent... Les gens qui se déplacent surtout de loin mm-hmm. puissent ne pas attendre trop mm-hmm. pour pouvoir profiter de la grande roue. D'accord. Ben, c'est génial. Alors, vous êtes venu aujourd'hui en famille pour la roue. Oui. Pour découvrir la roue. Oui. C'est de quel côté de ce centre? Saint-André. D'accord. Et pourquoi vous êtes venu? Pour essayer, pour voir la hauteur? Non, c'est juste pour être ah, d'accord. Et c'est le
Bugatti que ça l'a pas. Ah, voilà. Et où la peur? Où la peur? Parce que n'est pas. D'accord. Et la rose qui est impressionnante, où première fois on voit? Non, on a déjà vu. Ouais, pas mauvais. Et sinon, les autres vacances, elles annoncent comment? Ça va. Le petit contrat à quoi d'être dans les vacances? Le soir, je vais pas tout. Le soir dans les vacances? Mais ben, on verra. D'accord. Mais bon, l'école n'est encore loin. Bonjour messieurs, dames, donc, je vous remercie d'avoir participé à l'interview donc, pour aujourd'hui. Donc, vous venez de quel côté de la Réunion? De Saint-Paul. De Saint-Paul, donc vous êtes venu exprès pour la roue ou juste pour se promener? Non, du coup on a fait un petit combo, d'accord. On a fait piscine, déjeuner et tout combo. D'accord, donc vous êtes tous en vacances, pour les filles j'imagine que oui. Oui. Mais vous êtes en vacances également? On a pris des congés, ouais. Ah génial, donc là on va en profiter un maximum. On essaye en tout cas. C'est parfait. Vous saviez que justement, bon, je vais de Saint-Paul, mais au Colosse, ça a été ouvert depuis jeudi. Ouais, on a vu. D'accord, donc pareil, dans le programme prévu, même pas. Peut-être pas quand même, on essaiera. Ouais. Oui, donc dans le programme, quoi qu'il en soit. Peut-être pas dans la journée, parce que ça risque de faire court, mais en tout cas, c'est prévu. Du coup, vos impressions par rapport à cette grande roue? Bah, impressionnant. Oui. C'est vrai qu'on l'avait déjà fait en métropole, en vacances. Donc, c'est pas la première fois que vous découvrez le phénomène de grande roue. Voilà. Mais c'est sympa quand même. D'accord, et du coup pas de peur, pas de crainte, les filles? Pour les enfants un petit peu. Un petit peu. Surtout avec le vent, ça n'aide pas. Pour ceux qui ont un peu le vertige, je pense que c'est un peu déstabilisant. Les filles, le vertige? Non. Oh. Tu es encore vivante, je te rassure, tu es avec nous. Ce n'est pas un rêve. Ouais. Ok, bah écoutez, je vous remercie d'avoir répondu merci à nos questions. Et puis bah, retrouvez-nous le dimanche soir à partir de 20h sur Tropical Night Live Tour. J'y suis arrivée, t'as vu? Alors, c'est qui gère? C'est alors, toi. Je vous remercie, bonne vacances à vous, messieurs, dames. Merci. Au revoir. Tour, j'y suis arrivée, t'as vu? Alors, c'est qui gère? C'est toi. Je vous remercie, bonne vacances merci à vous, messieurs, dames. Merci. Au revoir. Au revoir. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Alors, c'est qui gère, hein, Valou, hein, et Jenny, hein, c'est qui gère? C'est Jenny. Bon, allez, de retour, en tout cas pour votre émission, le Tropical Night Live Tour jusqu'à 22h. À l'instant, nous venons regarder le petit reportage, en tout cas pour... quand même, Valou et Jenny, Banal est bien, cette pause. Bien sûr, vous connaissez que mal à oublier de remettre mon micro, en fait. Oui, je sais. Je m'entraîne cause tout seul, formidable. Oui, nous, Géa, là, moi, j'ai rien géré du tout. Mais Valou a aussi OG, à notre 2, oui, Géa. C'est Tropical Girl qui gère. Voilà, Tropical Night Live Tour. Alors, ah, bien, bien, à la fin, alors, c'est Tropical Night Live Tour. Hein. Alors, Dani, hein, c'est qui gère, hein? Ah, c'est comme ça. Alors, que... hein? Alors. Alors, hein. Il y a Maryse qui dit, alors, Dani, il vient toujours à la médiathèque sans collègue du théâtre. Bah oui, attends, oui, mais il est artiste maintenant, hein. Dani, est-ce que vous pouvez repasser le petit message pour le chéri, donc son chéri, donc, alors, mais si m'y prononce bien, donc, Keshava. Voilà, donc, petit coucou, hein, donc, un petit bonsoir, en tout cas, pour le chéri, donc, Keshava. Voilà, si m'y prononce bien, hein, excusez-moi, si m'y prononce mal. Voilà, Philippe, Métura avec nous, que l'arrivée. Voilà, pour ce soir. On fait un petit rappel justement des jeux dans un moment, le temps que il se connecte à l'audio pour ce soir. Donc vous pouvez appeler sur le standard 06 93 488 996 ou bien texter au 06 92 170 862. Philippe, bonsoir. Allô. Ça va? Bonsoir, Dani. Ouais, ça va, tranquille, et toi? Ben, ça va. Bon, accompagné avec les girls ce soir, Valou et Jenny. Bonsoir. Voilà, donc, votre émission, le Tropical Night Live Tour jusqu'à 22h. Et en deuxième partie, donc, l'interview de Philippe Métura, que tu connais très très bien. D'ailleurs, justement, on va faire le zoom à zoom avec...
Jenny, alors. Oui, le Zoomazoom. Alors, Philippe, tu connais c'est quoi le Zoomazoom ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, le Zoomazoom, en fait, c'est 10 questions. 10 ou 15 questions, justement. Donc, 10 ou 11 questions. D'ailleurs. 10. Un petit bonus en plus. Un petit bonus, d'accord. Une bêtise. Alors, Nina, 10 questions. Il faut répondre au tac, tout simplement. Voilà. D'accord. OK. Ça marche. Pas de réflexion. On y va. Donc, c'est parti. Alors, première question. Avec qui aimerais-tu être coincé dans un ascenseur? Toi. Oh! Ah, il est joueur! Comme ça, je m'y attendais pas! Si tu étais président de la République, quelles seraient tes premières mesures? Mes premières mesures, ce serait de une grosse pensée pour tous les gens qui sont démunis, tous les malheureux, voilà. Reloger tous les sans-papiers, tous les gens qui sont pauvres, voilà. Effectivement, ce serait une très bonne mesure, je pense, déjà, pour commencer. Ensuite, troisième question, la personne la plus célèbre que tu as dans ton répertoire téléphonique? Il n'a pas dit que les réponses étaient obligées d'être vraies. On peut aussi mentir. Ah. On n'est pas obligé de dire la vérité. Phil Control, un artiste. Eh bien, ensuite, la quatrième question. Si tu avais la clé d'un restaurant le temps d'une journée, que ferais-tu? J'aurais distribué, toujours pareil, à des repas à tous les gens qui n'en ont pas, à tous les gens qui aèrent dans les rues, les gens qui peuvent pas manger à leur faim, voilà. C'est très altruiste, honnêtement, En distribution, Non, mais c'est bien, c'est très bien, puisqu'effectivement, on n'y pense pas assez, mais il faut penser. On n'y pense pas, il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas. Ces personnes qui en ont besoin. Ensuite, cinquième question. Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser? Une habitude, c'est-à-dire je dis toujours pourquoi pas, et oui. Voilà, pourquoi jamais pas. Oui, jamais non. Non, juste pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, la sixième question, ton coin de paradis? La Réunion. La Réunion? Ouais. Guadeloupéen, c'est la Réunion. La Réunion. D'accord, ok. Écoute, il n'y a pas de souci. Septième question. Tu as plus de batterie sur ton téléphone. Quelle est ta réaction? Tranquille. La vie continue. Je recharge. Ouais, la vie continue. Ah ouais. Il n'y a pas. Alors, ensuite, une mode, question 8, une mode qui t'agace. C'est la mode des portables. Aussi. Voilà. Voilà, chaque fois il faut le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Fameuse mode de l'hyper connecté. Ensuite, question numéro 9. Quel est le fond d'écran de ton smartphone? Ma chérie. Question numéro 10. La personne célèbre que tu aimerais rencontrer? Samuel L. Jackson. Oh, un grand monsieur, Samuel Jackson, complètement. Et la 11e question, à savoir que cette question, ça a fait débat aujourd'hui, en fait, dans une fête de famille, entre les femmes. Slip ou boxeur? Boxeur. Ah, on est d'accord. Donc, si les filles, vous nous regardez ce soir, on est bien d'accord que le boxeur est voté à l'unanimité. C'est ça. Voilà, d'où le titre. Merci Philippe. D'où le titre que Philippe a fait Nuit au Ride. Oui. Ah oui, Nuit au Ride. On est dans le thème. Bon, en tout cas, merci à Jenny pour ce petit zoom. Est-ce qu'on fait un petit rappel de jeu, justement, pour avant de commencer l'interview de ce soir? On salue quand même le temps anti-préparatoire, justement, pour l'annonce du jeu. Mais salut quand même Renmé qui regarde le Facebook Live de Télécréole, en tout cas pour ce soir. Salut Renmé. Salut Renmé. Salut.
Alors, du coup, le jeu rentrée, le jeu objet mystère, enfin la boîte mystère. Alors, je laisse Valou commencer, puisque moi, du coup, je viens de faire le zoom à zoom, et puis c'est vrai que c'est assez long à décrire, du coup, la boîte mystère. Je te laisse commencer, Valou. Donc, le jeu rentrée, c'est les auditeurs et les auditrices racontent leur rentrée, ou de deux ou de leurs enfants, et vous avez des cadeaux à gagner. Un coffret parfum, un coffret beauté chez Homme Esthétique, une trottinette électrique, un chèque de 700 euros. Vous envoyez rentrée par SMS au 80 90. Voilà. Ensuite, pour la boîte mystère, donc c'est vrai qu'en début d'émission, j'ai pas précisé toutes les petites infos, hein. Je suis allée à l'essentiel, mais bon, alors le fonctionnement du jeu, c'est inscription par tirage au sort, donc tapez mystère par SMS au 80 90 pour la Réunion, 71 415 pour la métropole, et en fait le jeu se fait en deux parties, donc une, c'est des questions pour les indices, donc l'auditeur aura 20 secondes pour pouvoir poser les questions à l'animateur qui lui répondra par oui ou par non, et si il trouve l'objet en direct, et ben il gagne ce qu'il y a dans la boîte. Si jamais il perd, il a un bonus, et en fait il pourra gagner au prochain tirage au sort, donc il aura l'occasion de rejouer, et s'il arrive à cumuler le jour passé où il n'a pas trouvé l'objet plus le jour où il passe, et ben ce sera cumul de cadeaux en fait, tout simplement, et chaque jour il y a un nouvel objet mystère qui est renouvelé en fait par émission. Donc vous retrouvez le règlement du jeu sur www.tropicalnight.re. La participation se fait par SMS, donc vous envoyez encore une fois, je vous répète, mystère par SMS pour la Réunion 80-90 et pour la métropole 71-415, à savoir que les lots à gagner sont les suivants. Alors, il y a un bon coiffure chez Floria, coiffure, un bon d'achat de 50 euros chez Mel Boutique, 4 cartes multipass, 2 séjours dans l'un des hôtels partenaires de l'émission. Voilà, voilà. Merci en tout cas, Valou et Ginny, pour le rendez-vous jeu de ce soir. Place à l'interview de ce soir avec Philippe Métura. Donc Philippe, tu débutes ta carrière en quelle année plus précisément ? Oh là là, ça remonte à des années. Alors, je pense que c'est dans les années 90, hein, 90 ou un peu, parce que j'ai pas mon truc, mais je pense que 91. Ah ben tu vois, j'étais pas loin. 91. Premier album. Un an de plus. 30, ouais, voilà. 91, c'est premier album 37 degrés. Alors pourquoi 37 degrés ? Explique-nous un petit peu. Oui, alors 37 degrés, comme l'album a été réalisé en Guadeloupe, et tu sais, on est sur les tropiques, et il y a du soleil, et j'ai travaillé avec des artistes tels que Philippe Dillot, Pascal Valo, c'était des grands noms dans la musique antillaise, et j'ai trouvé, mon producteur qui était Servet Lizot, producteur de Gilles Fleurot aussi, de Jocelyne Nabil, enfin de toutes les grandes stars. Et ils ont trouvé que ce nom-là est très bien. J'ai dit, voilà, on est sous le soleil, du 37 degrés. C'est un peu la température que fait la Guadeloupe quand il fait beau. Voilà. D'accord, donc c'est pour ça, en fait, c'est par rapport au soleil. Par rapport au soleil, voilà, on s'est dit, bon, ben voilà, hein. Bon, on est au pays, il fait du 37 degrés, alors pourquoi pas. Avec les potes que j'ai réalisé cet album, et on a donné ce titre, on a réfléchi à un titre, et finalement on a mis 37 degrés, et j'étais sur le petit logo, le 37 degrés était écrit en vert, et j'étais juste dans le petit logo de la température qui est 37 degrés, voilà, et Philippe Pétura à côté avec le groupe 37 degrés, voilà. Et il y a combien de titres sur cet album? Alors sur cet album, il y avait 6 titres. Il n'y avait pas grand-chose, 6 titres, parce que je débutais. Il y a eu un duo aussi avec Absalon, un duo avec Absalon, ce qui est le programmateur, et avec aussi Faustin, je crois que c'est Jules Faustin, ouais, c'est les deux programmateurs. Et j'ai eu un duo aussi avec Pascal Valo qui m'a aiguillé sur les mélodies, parce que comme je débutais, alors j'étais pas très calé, et chemin faisant, bon ben c'est eux qui m'ont donné cette inspiration pour pouvoir composer aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, bon ben je suis auteur-compositeur, producteur, enfin j'ai la totale.
Mais même, mais justement, parce que ça c'est flagrant, parce que même si tu débutes, quand même, il y a pas mal d'albums qui suivent hein, au cours des années, hein, notamment donc en 1991. On part sur le standard. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Coco. Coco, comment elle est, Coco? Ça va, ça même. Bah, elle est là, doucement, doucement. Bon, Coco, hein, pour les intimes, et Coralie, justement, oui, parce que Coralie, c'était l'une des animatrices de Tropical Night Live Tour. D'accord. Voilà, bah, comment elle est? Bon, ça va, vous faites voyage, ok, elle te donne télé pour une femme, tu sais, bon, ça m'appelle un coup. Ah, bah oui, en plus, là, vous connaissez Philippe Metura. Exactement, justement, c'est pour ça, mais il m'a pas sali un petit coucou en même temps. Ah, c'est gentil. Ça va ou quoi, Philippe? Ça fait plaisir de te voir à la télé parmi nous. Ben oui, ça va, ben ça va, hein, depuis, ça fait un petit bout de temps, effectivement, que la Réunion me manque aussi, parce que ben oui. je tenais à dire aussi que la Réunion aussi, et mon succès est né à la Réunion. Hein. C'est un truc que je dis à chaque média, à chaque interview que je passe. Si Philippe Metura a eu un nom aujourd'hui, c'est grâce à La Réunion. Bah, pas grâce tout court à La Réunion, mais oui, en partie. Tout court à La Réunion. C'est clair qu'on a tous dansé sur tes titres, quoi, que ce soit tes titres avec tout seul, ouais. Ou avec Viviane Serval. Enfin, tu vois, il y a tout qui revient en mémoire. Et quand on dit Philippe Metura, tout le monde passe me voir. Ah ouais, ce fameux passe me voir. Bon, c'est la base. Ah, ça s'est resté, ouais. Ça c'est son pied. Ah oui. C'est le truc qui m'a beaucoup impressionné. Que la première fois, quand j'étais venu à La Réunion, quand notre producteur nous avait dit qu'on était numéro 1 à La Réunion, ouais. Je le croyais à demi, et quand je suis arrivé, là, on a fait un petit showcase, et ouais. Le truc qui m'a vraiment ému, parce qu'on ne pouvait même pas, c'est-à-dire lorsqu'on a commencé, je crois bien que ce soir, et hop, tout le monde chantait, alors là, on n'a pas pu chanter, tout le monde chantait, pas au cœur, c'est la première fois qu'on écrit une chanson, que j'ai écrit une chanson, et que je vois que tout le monde chante pas au cœur la chanson, ouais, même le refrain, alors c'est impressionnant. Ouais. Ah oui, non, mais ici, quand on aime, on aime à 100% et on accompagne l'artiste. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai. Ça fait trop plaisir, en tout cas, ça fait plaisir. Alors, oui. Coco, est-ce que tu peux chanter Passe me voir, tiens? Ah mon Dieu, j'étais sûre. Non, Dani, non, parce que là, avec ma voix un peu. Non, pas ce soir. Allez, passe. Non. Passe un petit peu, passe me voir. Je vois bien que ce soir. J'ai le blues de toi, on s'est quitté, c'est bien mieux comme ça. Mais de quoi as-tu peur puisqu'on ne s'aime pas? Pourquoi ne plus se voir comme avant? Passe me voir, oui, passe me voir. Le cœur, passe me voir. Passe me voir. Voilà. Passe me voir, Philippe. Passe me voir, la réunion. ça serait bien avec un grand plaisir. On attend que les choses que cette pandémie, ben, je pense que ça sera bien. Ouais, quand je revienne faire une tournée, en tout cas, c'est mémorable. Merci encore à tous les gens qui me regardent et qui écoutent vraiment La Réunion. Et je le dis dans toutes mes interviews. Voilà, c'est grâce à La Réunion, c'est La Réunion qui a fait Philippe Metura, qui a fait la renommée, parce que toutes les radios, même les radios de mon île. Ils n'ont pas cru à ce titre, et voilà, et c'est de La Réunion que c'est sorti, et voilà. Et depuis, dès que c'est sorti à La Réunion, et après tout le monde, ça y est, ça a fait le tour, ça a fait pratiquement le tour du monde, le tour du monde, oui. qui m'a contacté, mais je tiens toujours à leur dire, à chaque interview radio, que c'est de La Réunion, voilà. Ouais, voilà. Donc, t'as une petite parenthèse, voilà. Donc, Coco, tu vas faire la doublure de Marina Yossel, c'est bon? Voilà. Ah mon Dieu Seigneur. Ah oui, en plus alors je me suis trompée, moi j'ai dit Viviane Serval, oui, Marina Ursule, pardon. C'est ça, ouais. Je me suis un peu embrouillée, c'est pas grave. Ouais, mais c'est un peu la même génération, tout ce beau monde était. C'est ça. Bon, ben, écoutez, je vous fais de gros bisous à tous, les filles, Annie, Philippe, bisous à tout le monde, et puis ben, bonne fin d'émission à vous. Attends là-haut, oh, Coco, quand ça passe voir à nous là. Oui. Quand c'est pas voir, il passe voir à d'autres, comment on veut pas se voir où t'es? Bah oui, on connaît l'adresse du studio, passe voir à nous.
Passe-moi, on nous l'a en couvre-feu, Dani, qu'on s'est mis, mets-tu mon papier. Passe-moi les travaux, mener à la passe-moi, Dani. Passe-moi, Dani. Passe-moi, Dani. Passe-moi, Dani. Je grave le couvre-feu. Je me mets en pour aller voir Dani. Ah, oui, oui. Bon, en tout cas, merci, Coco, pour l'appel de ce soir. On se tient au courant. Avec plaisir. Allez, on se retrouve. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée également. Bye-bye. Merci. Allez, 21h20, en tout cas, bon, l'œil passe très très vite. Alors, bah, justement, ouais. Comme on a discuté le titre Passe me voir, ce que je vous propose d'ailleurs, mm-hmm. c'est de visionner le clip Passe me voir, on revient juste après. Ouais. C'est bon ? Ok, d'accord. Ça allez, marche. À tout de suite. À tout de suite. Créole FM. La source de la musique. Ce soir, j'ai le blues de doigts, on s'est quitté. C'est bien mieux comme ça. Mais de quoi as-tu peur puisqu'on ne s'aime pas? Comme avant, passe me voir. Oui, passe me voir. Je crois bien que ce soir, moi j'ai le blues de toi, on s'est quitté. C'est vrai, et c'est bien mieux comme ça. Sur un coup de cœur, on a cru s'aimer. Sur un coup de cœur, on a compris qu'on était juste amis. Amis à vie. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé.
Allez, de retour en tout cas sur Créole FM, sa soirée télé Créole en direct jusqu'à 22h avec Valou, Jedi et notre invité ce soir, donc Philippe Maitura. Ça va toujours? Ça va toujours, Dany, ça va, tranquille, on est là. Hein. Ah bah oui, on est là. Super, je savais pas qu'on était en direct à la télé, c'est bien ça. Ah bah si, ah bah si, ah bah ouais, super. Bah attends, ouais. Faut bien faire les choses en grand, voyons. Hein. C'est bien. Voilà, en tout cas, Valou aime bien la chanson Passe me voir, hein, parce que Valou a la chanson depuis des générations, des années. Hein, Valou. Ouais, ça remonte à 2000, hein. 2000, on est 2021, ça fait déjà près de 21 ans et je crois que ça n'a pas pris une ride. Ah oui, c'est l'un des... On aime bien réécouter de toute façon les chansons d'avant. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, on les rattache à des souvenirs. Moi, j'étais au lycée et on était dans la cour, on écoutait toutes ces chansons-là. Il y avait aussi, comment s'appelait cette chanson? Il y avait Harry Dibault, Tu me manques. Il y avait Tu me manques, J'ai déposé les clés aussi de Jocelyne Abou. Il y avait Darius Denon aussi. Darius Denon. Mais je t'emmène. Ouais, oh oui. C'est ça. Voilà, la génération 2000, hein, c'est voilà. Et d'ailleurs, justement, on parle du zouk parce que bon, dimanche prochain également, on va justement inviter. Enfin, il y a aussi Christian Ara également. Ça, c'est aussi l'époque. Christian Ara. Donc, dimanche prochain. Oui, c'est vrai. C'était aussi cette période, il me semble. Hein. Pareil, il y avait aussi Francis Malib avec C'est de moi. Enfin, il y avait énormément de choses. Il y avait Medicus aussi, tout ça. Alors, il y a eu tout ce petit mouvement. À jamais. Il y a un petit message arrivé de Maria qui dit bonsoir Dany, Philippe, Jenny et Valérie, un gros big up aux autres et Thierry. Bonsoir Maria. Et Maria toujours fidèle à Télécréole. Ben salut Maria en tout cas pour ce soir. Salut. Alors du coup donc après l'album 37 degrés donc il y a pas mal d'albums là qui est sorti après. Oui, il y a pas mal d'albums hein. Donc en 1993, deuxième album, c'est ça? Deuxième album que j'ai réalisé avec un producteur parce que j'ai quitté l'Hexagone, j'ai quitté le pays pour aller à l'Hexagone pour rentrer à Paris. Et là, j'ai rencontré un producteur qui a voulu réaliser, comme il avait entendu parler de moi, alors il a voulu faire cet album et il a bien fait. Et de là, bon ben voilà, je me faisant, j'ai continué ma petite route tranquillement. Voilà. Et notamment donc juste après donc cet album-là, troisième album en 95. Le titre j'aime bien, c'est FBI, c'est ça? FBI, c'est un concept avec Jean-Claude Biary, Oluc Tulé, que je salue en passant, qui est de La Réunion, hein, ouais. Oluc Tulé, et avec Jean-Claude Biary, FBI, et j'ai eu une complicité avec le cousin qui est Ludo, voilà, on a réalisé, c'est un concept FBI, Feeling Black International, que ça veut dire. Pourquoi Jenny rit? Parce que il y a eu quand même un petit moment de rire avec Jenny. Pourquoi? Non, mais c'est pas ça, c'est la définition. Enfin, définition, tu t'attends pas à ça, tu dis FBI, tu cherches FBI, pourquoi, et puis voilà, évidemment. Moi, il y a une question que j'ai envie de te poser, c'est quand je regarde en fait les albums. Donc 91, 93 et du coup 95 avec FBI, est-ce qu'il y a une évolution particulière ou alors est-ce que tu rabordes dans chacun de ces trois albums et j'ai envie de dire sur tous les autres parce qu'il y en a quand même une bonne dizaine, peut-être même une bonne quinzaine. Du coup, je voulais savoir s'il y avait une évolution, si tu abordais toujours les mêmes sujets ou si c'était parfois pour certains par rapport à des émotions, à ce que tu vivais ou alors c'était vraiment l'inspiration du moment et puis tu envoyais comme ça arrivait ou enfin voilà parce qu'en plus pareil. Tu sais, dans le temps, effectivement, c'est l'artiste Jean-Claude Biary et Oluc Tulé, que je salue en passant, ils avaient des concepts qui disaient, parce que, en gros, c'est chaque vacances, on devait, enfin, entre guillemets, on devait faire un album pour pouvoir être à la page, être. Alors, ils nous avaient proposé ce concept. Et
lui avait fait la musique et de notre côté, avec mon cousin Ludo, on faisait les paroles et voilà. Ça nous a permis aussi de travailler sur un concept différent que notre album personnel. Voilà. D'accord. Ça, c'est pour FBI, en fait. Voilà, pour FBI, voilà. Il y avait d'accord. Voilà. Donc, il y avait vraiment essayé de faire le tube de l'été pendant les vacances pour que ce soit écouté, etc. D'accord. Il y avait vraiment un aspect commercial, en fait. Commercial de ce temps, voilà. D'accord. Donc, tout le reste, tu veux dire, avant ça, enfin, en tout cas, les deux premiers albums, c'était plus personnel, c'était plus des sujets que tu abordais en lien avec tes émotions, ta vie, etc. Ce que je voyais aussi, parce que je regarde beaucoup les infos, regarder un petit peu ce qui se passe, et c'est comme ça que je travaille. Maintenant, personnellement, quand je travaille, quand je compose, je m'inspire. Avant, j'étais vraiment influencé par la mode, ceci, cela. Maintenant, c'est plus pareil. Je pense autrement. Je regarde des infos. Pratiquement toutes mes chansons que j'écris, que j'ai écrites à partir sont conscients. Ouais, sont conscients. On un sujet, une histoire. Ont des vécus, ce sont des faits réels, ce sont des propos qu'on m'a racontés ou que j'ai vus ou que j'ai entendus ou que qui m'ont touché, voilà. Il y a que des chansons qui sont réelles, voilà. Ce sont pas des chansons imaginaires comme je faisais auparavant. Je disais il fallait faire un truc, voilà, c'était ça, c'était ce petit mot, ce truc qui est à la mode, alors il fallait faire une chanson dessus. D'accord. Mais du coup, c'est à partir de quand que tu as eu ce déclic? Je veux dire, à partir de quel album tu as commencé à vraiment faire du conscient? Je crois que c'est Tiens, j'ai tellement d'albums. De 96 à 2000. Ouais. Du coup, Dany, j'enchaîne. J'ai le truc sous les yeux. Mais ouais, comment de 96 à 2000, t'as fait quand même t'as sorti donc 5 albums en duo avec Marina Ursule. Ouais. Donc, je crois que c'est après. Voilà. C'est après cette cassure, je me suis mis en solo. Après cette cassure de duo. Je me suis mis à solo et je me suis dit, bon, ben voilà, je suis tout seul à la banque. Il va falloir me démarquer et j'ai voulu avoir cette empreinte. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je touche du bois à ma tête, que pratiquement tous les albums que je fais, les gens se retrouvent et les gens me disent vraiment, l'écriture, c'est bien fait. Ce sont des sujets qu'on a vécu. Ce sont des trucs, c'est une histoire de ma tante, de ma cousine, d'un tel, voilà. Et enfin, ce sont des sujets du quotidien, voilà. D'accord, du quotidien, parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire que Zouk, voilà, c'est je t'aime, moi non plus, voilà, tu m'as trompé, tu reviens, cela. Voilà, alors qu'en fait, on peut effectivement aborder. Non, mais j'aime bien parce que t'as Dany qui rigole, alors qu'en fait, mais c'est une réalité. Je veux dire, combien de fois j'ai eu des débats, parce que j'adore le Zouk, en fait, de base, et combien de débats j'ai eu, par exemple, une artiste que j'adore, Fanny G, qui dans un de ses albums a abordé un sujet, un thème qui est très important où les femmes ne se respectent pas en fait, et j'ai trouvé ça vachement conscient et on me dit oui bon après il y en a d'autres hein, c'est un parmi tant d'autres, et effectivement par rapport à ce que tu dis et par rapport à ces albums, et donc du coup c'est vraiment une idée reçue, on peut faire du zouk avec des sujets conscients. Et tu aurais 2-3 exemples justement ou qui t'auraient le plus marqué sur ce que tu as fait au niveau de ces chansons? Enfin, quelles seraient, si tu as 3 chansons à choisir sur les textes conscients que tu as fait, ce seraient lesquelles? Celles qui compteraient le plus pour toi? Déjà, celui qui est sorti pas très longtemps là, qui est Sans Contact. Je parle de ce fameux virus que voilà, il faut faire attention. Maintenant, tout le monde paye sa contact, il faut avoir le masque, il faut. Voilà. Et il y a une chanson aussi que j'ai écrite, qui sortira, si Dieu veut, très bientôt, Femme battue. D'accord. Qui est un sujet extrêmement important. Ça s'appelle La décision. C'est la fille, c'est la dame, la demoiselle, qui subit pendant des années. Elle a pris la décision de quitter son cocon familial, malgré qu'il y a des enfants. C'est un texte qui est très 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 fort et vraiment je pense que ça va toucher pas mal de gens et il y a aussi un texte que j'avais fait et je pense qu'il y a le clip aussi, c'est il m'a parlé du clip mais j'ai tellement de chansons en tête, je pense que je crois que ça fait partie du deuxième clip qu'on va peut-être regarder. Comparaison. J'ai pas le titre. Non pas Comparaison, juste avant tu m'avais parlé d'un autre, tu avais dit
Alors, il y a Comparaiso, qu'ensuite il y a. Ouais. Alors, week-end l'arrivée. Oui, week-end l'arrivée. Ouais. Week-end l'arrivée. Voilà, week-end l'arrivée. Il y a une histoire de séparation. Voilà, tout à fait. Parental, partage de garde. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Voilà, voilà. C'est une histoire de, effectivement. De garde partagée avec l'enfant. De garde partagée avec l'enfant, voilà, dans le clip, effectivement, je parle. Voilà, c'est ça. Alors, ce que je propose d'ailleurs, c'est d'enchaîner avec le titre Comparaiso, qu'on fait un petit débriefing juste après. C'est bon ? Tout à fait. Allez, à tout de suite, on balance le clip Comparaiso. À tout de suite. Dans le Nord. Dans l'Ouest. Créole FM. FM. C'est exotique. Hey!
FM. Créole FM. Écoute Awa. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Allez, de retour sur Télé Créole et Créole FM ce soir. On fait un petit rappel de jeu justement pour ce soir avec Jenny et Valou. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, le premier jeu, donc la boîte à mystère, le concept est qu'un téléspectateur soit tiré au sort et doit deviner quel objet se trouve dans la fameuse boîte. Il aura 20 secondes maximum pour avoir des indices en posant des questions à l'animateur. L'animateur lui répondra par oui ou par non et s'il trouve l'objet, il a le cadeau du jour. Donc, le fonctionnement du jeu, il faut s'inscrire pour pouvoir être tiré au sort. Donc, il faudra envoyer un SMS mystère. Donc il faut envoyer par SMS le mot mystère au 80 90 pour la Réunion et 71 415 pour la métropole. Donc si la révélation de l'objet se fera en direct, si la personne perd le jour J, elle a quand même le bonus de pouvoir retenter sa chance un autre jour et à ce moment-là cumulera le cadeau, donc si elle le devine, du jour passé ainsi que du jour présent. Et l'objet donc est renouvelé à chaque émission. Donc pour savoir le règlement du jeu, c'est au www.tropicalnight.re. Là, on pourra retrouver donc le règlement du jeu et la participation donc par SMS sera ouverte à partir du 15 août à 8h. Donc c'est déjà lancé, hein, il faut le savoir. Les cadeaux donc qui sont à gagner, c'est un bon coiffure chez Floria Coiffure, 50€ de bon d'achat chez Mel Boutique, 4 cartes multipass et un séjour de 2 nuits dans l'un des hôtels partenaires de l'émission. Voilà, merci Jenny. On enchaîne avec Valou pour le jeu rentrée. Donc le deuxième jeu rentrée, c'est les auditeurs et les auditrices racontent leur entrée ou celui de leur enfant. Des cadeaux sont à gagner. Un coffret parfum, un coffret beauté chez Ambre Esthétique, une trottinette électrique, un chèque de 700€. Il faut envoyer rentrée par SMS au 80 90. Voilà, merci Valou et Jenny pour le rendez-vous jeu. Philippe, du coup, oui. Qui a réalisé le clip justement Compari Zouk? C'est un ami de Paris, je pense, il s'appelle Steve Ashprod, ouais, qui a réalisé ce clip. On a tourné ça dans les Halles, en plein Paris, voilà. On a fait quelques prises dans Châtelet les Halles, voilà. Mmh. Et sur Comparaiso, c'est un petit clin d'œil à la musique compas que je vois en ce moment. Pourtant, ça remonte, hein, ah, et oui. Que je vois que c'est la grande mode en ce moment, le fameux compas Gouliade qui a pris place sur les ondes un peu partout. Voilà. Et là, on va en regarder dans un instant donc le clip Weekend Arrivé. C'est toujours la même personne qui réalise le clip ou pas? Tout à fait. Tout à fait. Là, il a de fur et à mesure, il s'améliore, il achète de là encore, il a pour les futurs clips encore, il a encore acheté du super matos. Et voilà, c'est toujours lui qui me suit depuis mes débuts. Et voilà, qui fait Monsieur Steve Ashprod. Voilà, qui est ravi. Week-end arrivé, quand le week-end est arrivé, il faut tout oublier et se laisser aller. Voilà. Et les lieux du tournage pour le clip Week-end arrivé. Le week-end arrivé, c'est à Orléans. Voilà, c'est à Orléans. On a été un peu plus loin. On a quitté un petit peu Paris. On a été un peu plus loin pour tourner ce clip. Voilà, on a fait quelques prises un peu partout. Et comme je disais, ça parle un petit peu de la garde d'enfants. Quand le week-end est arrivé, bon, ben, des fois, voilà, il y a toujours ce problème, voilà, lorsqu'on a un enfant, celui-là prend la garde, celui-là veut la garde, celui-là, et quelquefois, bon, ben, ça peut. Mais bon, avec un peu de compréhension, bon, ben, de part et d'autre, et je pense que après, bon, ben. Tout peut fonctionner. C'est ça. Alors, ce que je propose d'ailleurs, c'est de regarder le clip et on revient juste après. C'est bon? Allez, à tout de suite. Ça marche. À tout de suite. Écoute ta voix.
soirée. Qui fait bouger? Pas misé. Qui fait bouger? Défoulé. Où ça prend en pied? Qui fait bouger? En soirée. Qui fait bouger? Pour défouler. Qui fait bouger? Toute la nuit. Avec Dany et toute son équipe. Allez, de retour en tout cas sur Créole FM et Télé Créole ce soir. 21h passé de 48 minutes. Dernière ligne droite en tout cas pour ce soir. Pour ceux, celles qui veulent texter, ça se passe au 0693 488 996, c'est le standard, ou bien sur le 0692 170 862. En tout cas, week-end a fini avec nous, hein, parce qu'on est dimanche et dimanche soir, bah week-end est fini, hein. Voilà, en tout cas, en tout cas, il y a des petits messages sur le Facebook de Télé Créole. Anicia qui dit bonsoir à tous, et elle a mis un petit cœur quand même pour nous soutenir. Merci en tout cas Anicia, du côté de la page Anicia. Facebook. Du côté de la page Facebook également. Et du coup, Redmay qui dit tu fais le direct, tu fais le sérieux en direct. Bah oui, je fais le sérieux en direct. Redmay quand même. Hein. Voilà. Bon, il reste quand même 5 petites minutes. Hein, donc, ouais. Justement, Philippe, t'as quand même beaucoup d'albums. Et justement, nous, avec l'équipe, est-ce qu'on peut avoir tous tes albums? Oh là là, il faudrait. Ben, pourquoi pas, hein. Je pourrais les envoyer par WeTransfer, ouais. Mm-hmm. Je pourrais les envoyer par WeTransfer, ouais, y a pas de souci, hein. Ouais, j'ai quand même pas mal d'albums à mon issu. Et là, pour information, y a une grosse nouveauté que je suis en train de travailler, comme je disais, effectivement, sur l'histoire de, ça s'appelle La Décision, sur une femme battue. Et j'ai pris la précaution de le chanter en français pour que tout le monde puisse bien comprendre un petit peu. C'est le même. Alors, je tenais à dire aussi, c'est le même programmateur de Passe Me Voir. Il s'appelle Jean-Pierre Zabulon. C'est lui qui a fait. J'ai voulu travailler avec lui parce que ça fait des années. Tu vois comment la vie. On a travaillé sur cet album.
je crois que c'est en 2000, ouais, comme c'est sorti en 2000. Et 21 ans après, parce qu'il avait disparu, je le voyais pas, il était parti en Martinique, il est retourné à Paris. Ce programmateur que je cherchais, qui est Jean-Pierre Zamulon, qui a fait la musique de Passe Me Voir. Et là, c'est avec lui que je prépare cet album. On a pratiquement fini. Et je tenais à dire aussi, sur cet album, il y aura des cuivres. On a mis des sections de cuivre et on a pris un petit peu le même groove de Passe Me Voir et que j'ai réalisé ce titre qui s'appelle La Décision. C'est une femme qui prend une décision de quitter son mec parce que elle se fait humilier, elle a été tapée, voilà, elle est restée des années à subir, à être maltraitée et elle a pris cette décision. Ça s'appelle La Décision. Retenez bien ce titre et quand ça sera terminé, je vais envoyer ça pour vous en exclusivité. Ah ben ça c'est gentil ça c'est gentil ça. Ouais, oui, il faut bien quand même. En tout cas, c'est l'un de tes projets pour cette année, c'est ça? Tout cette année, oui, c'est ça. C'est ça. Donc on peut te retrouver également sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. J'ai Facebook, Philippe Métura, voilà. Et j'ai Philippe Métura officiel aussi. J'ai un deuxième aussi. Et sinon, sur WhatsApp, enfin, un peu partout, voilà. Sur les informations. Même les gens peuvent aller sur mon Facebook qui vont voir. En ce moment, je suis en phase d'écriture. Voilà. On a terminé. J'ai terminé déjà les écritures. Et d'ici la semaine prochaine, je vais commencer à passer à la séance de cuivre. Et les violons, parce que j'ai des violons aussi, des vieux. Parce que j'ai beaucoup de musiciens qui ont participé. Et on a fait un espèce de rétrospectif, parce que je retourne au fameux zouk. Zouk, comme le style Passe Me Voir qu'on a connu dans les années 2000. Alors, voilà. Comme le public réclame ce genre de musique, alors, je retourne à la base. On a hâte, hein. Un Valou a hâte, hein. Et Jenny aussi a hâte. Ouais. De retrouver ce style de zouk. Ah oui, ouais, tout à fait. Totalement. Ouais, c'est vrai. Alors, préparation. Du coup, est-ce que tu as des remerciements pour faire justement, Philippe? Oui, ah ben, je remercie déjà tout le public et tous les amis de La Réunion. Il hein. y a aussi quelqu'un que je tenais à. Tiji, ouais, c'est lui aussi. Tiji, parce que quand j'étais parti à La Réunion, et c'est lui qui m'a permis de faire une petite tournée dans toutes les boîtes de nuit à La Réunion. Et sinon, un bon big up à tous les animateurs de Creole FM. Et sinon, big up à tous les Réunais et les Réunaises. Les jolies Catherines. Ah oui, on va souvent. J'attends un bon rougail saucisse aussi parce que j'aime beaucoup le rougail saucisse à La Réunion. Et le petit pont, ponche arrangé, c'est ça qu'on appelle. Voilà. À consommer avec modération. Avec modération. Voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et dangereux pour la santé. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux faire un petit a cappella là, d'une des chansons avant de terminer? Ouais, laquelle que tu veux. Bah, les filles, laquelle que tu veux. Allez. Rapidement. Libre choix. Ouais. Oui, libre choix, honnêtement, celle qui t'inspire le plus. Celui que vous connaissez tous. Je crois bien que. Voir. Voilà. Je crois bien que ce soir, j'ai le blues de vous. On s'est quitté. Ça fait déjà longtemps, mais je reviens avec un nouvel album. Oui, ça sera pour bientôt. Je passerai vous voir à La Réunion. Passe me voir. Je passerai, passe me voir. Voilà. Voilà, merci beaucoup, en tout cas, Philippe. Merci, Valou. Merci à vous. Merci Jenny, en tout cas, pour ce soir. On termine justement avec le clip Sans Contact. On termine l'émission avec Sans Contact. Et puis, dimanche prochain, nous accueillons Christian Nara. Et puis, donc, avec l'animatrice Nella. Merci en tout cas. Très, d'accord, très bonne soirée, tout le monde. Sur Télécréole et Créole FM. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Merci à toi, Philippe. Allez. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci. Merci, allez, ciao, bye bye. Ciao. Uniquement des tubes. Rien que des tubes.
La première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux, amoureux en silence. Je ne voyais que toi, pour moi que c'est bon. Je suis tombé amoureux.